Bonjour Hélène, nous sommes jeudi 1er juillet. Je reviens vers vous pour les produits finis. Il y a la moute. Je regarde une vidéo, tiens. Donc, au hasard, 3 paquets de masques. Voilà. Hygiène, beauté. Non, 4. Non, 4. 1, 2. 1, 2, 3 et 4 achetés partout et nulle part. Hop, 5. Donc, ça veut dire que 50. J'ai donc, j'ai terminé, un shampoing solide qui était devenu dégueulasse. Voilà, comme j'ai pas de porte machin, justement, je vais pas acheter puisque le but c'est d'être écolo. Bref. Alors là, c'est des masques de beauté. Alors, excusez-moi, je vais me pencher au fur et à mesure. Alors, ça, les deux, c'est pour Selena qui les a testés. Donc, crabe, c'était juste pour rigoler. Hein, voilà. Et Sephora, elle a pas aimé. Alors, crabe, elle a beaucoup aimé dans le sens. Bon, elle a 11 ans, c'est pour s'amuser. Sephora, elle a pas du tout aimé Sephora parce que ça sentait, pour elle, ça sentait trop la fraise tagada et bon, ben, sur ce coup-là, elle a pas aimé. Bon, voilà. YouTube, non. Voilà, ça fait du bruit. Ah oui. Celui-là, acheté chez Noz, il y a moult temps. Voilà. Demain. Non, aujourd'hui. Oh là, je suis fatiguée. Aujourd'hui s'ouvre le Noz de Hortès dans le 64. Voilà, donc il est un peu plus près, il est plus pratique que celui de Saint-Paul et Dax quand je suis chez mes parents. Donc si je peux, je pars plus tôt et j'y vais. Alors je pense que je vais y aller fin août dans le sens que. Fin août dans le sens que je vais chez mes parents. Je partirai un peu plus tôt dans la journée, vers 2-3 heures, en arriver 4 heures, voilà. Ça, tout le monde est content. Alors, donc j'irai à Noz. Normalement, là, mais après peut-être une autre fois. Mais bon. Le Cérétide, voilà, mais je suis en acheté hier. C'est pas que j'aime pas psychologiquement, j'ai du mal avec les génériques pour mon médicament pour l'asthme. Autant le reste, je m'en fous un peu. Voilà. Voilà, donc Cérétide terminé. Voilà, celle-là, j'ai pas du tout aimé. Elle sent strictement rien, voire même puer. Voilà, c'est des petites. J'en ai acheté d'autres que vous verrez au fur et à mesure. Qui sent mieux, qui pue. Enfin, voilà. La boîte est jolie, mais sur ce coup-là, elle sent strictement rien. Il y a beaucoup de bougies. Hein. J'ai terminé un face essence oil. J'en ai un deuxième, mais j'en achète d'autres en alternance, j'alterne d'autres, voilà, j'en avais acheté deux dans les produits beauté, Leclerc, machin, tout ça. J'alterne avec d'autres, comme ça, ça me fait plaisir. J'ai terminé il y a quelques jours, ben justement, vu que bon, malgré tout, on se lave. Ushuaïa, je crois que c'était Action, j'avais acheté. Je vais à Action quand je vais rien acheter. Chiquemos a terminé le Axe Gold. Switch, swag fresh. Ok. J'ai terminé. Je pense que je l'avais acheté à Action. Parce qu'il n'y a pas de. D'étiquette jeune. Donc, déodorant remplacé par. Je sais pas lequel. Il doit être quelque part. Il est là. Par le Sanex, toujours à Action. Dentalux, donc tout le monde connaît le dentifrice. Alors ça va être la farandole des. Ouais, c'est sûr que des bougies. Alors donc ça, c'est tout est à Action. Alors, des fois il y en a certaines, ben, ça sent très bon, mais d'autres, ça sentait bon, mais un centimètre. Voilà. J'ai été à. Oui, je vous l'avais dit, à Maxi China, il n'y avait pas du tout de bougies comme ça. Il n'y a pas du tout de bougies comme ça. C'est pas grave. Moi, j'achète de l'encens.
partie de l'argent. Voilà, j'ai terminé. Je dis que moi, c'est un problème de gencive, donc je profite aussi pour moi d'en prendre. Donc, on a terminé du. Ben, mais là, ben, lui, il est assez maniaque. Il va en pharmacie. Ouais, bon, bref. C'est Darwood. Voilà. Je pense que je les achète plus pour le pot que pour l'odeur, hein, surtout. Celle-là, Cotton Fresh. Ça, je pense que des fois, le Cotton Fresh sont. Là, je suis enrhumée, là, totalement. Fresh Cotton. Voilà. Comme je vous dis, c'est vraiment plus pour la blague, histoire d'avoir une bougie, que pour sentir quelque chose. Pourtant, j'ai un petit appartement. Fresh Candle. Bon, ça sent bon, hein, ça sent bon. Hein. Mais bon, il faut être à 1 cm de la bougie pour sentir. C'est dégueulasse, c'est un truc qui a coulé. Et Blossom Touch. Ah, moi, bon, comme tout le monde, hein, je les brûle au maximum. Hein, c'est quitte à passer 10 jours dessus des fois. Voilà. Voilà les produits terminés du mois de juin. Juillet, s'avère totalement classique. Donc, j'espère qu'en juillet, je terminerai un parfum parce que ça fait 3 mois que je me dis, tiens, ce mois-ci, ça va être terminé. Là, la vidéo est un peu plus longue que les autres. J'ai oublié de vous faire un petit bilan patchwork, mais là, ça va être compliqué vu que j'ai énervé Emily pendant moins une dizaine de jours. J'essaierai de le faire début parce que début août, début juillet, enfin j'ai 3 jours normalement de disponible entre deux séjours. Donc j'essaierai de vous faire, j'espère les remplir en soi, j'essaierai de vous faire un petit bilan patchwork puisque j'ai deux idées, un patchwork été et un patchwork Halloween. Voilà, mon frère, ça c'est toujours en process, je suis toujours en train de faire des excises. Je vous fais de gros bisous, au prochain bilan patchwork, ciao ciao!